Bonjour à tous et bienvenue. C'est calme aujourd'hui. Sur ma chaîne. J'essaierai même pas de me battre si j'ai pas de flingue. Voilà, comme elle dit, nous n'avons absolument pas d'armes. Elle a juste réussi à voler la matraque du garde. Alors ici, nous sommes donc au début du chapitre 3. Et avec Chérie... Voilà. Et avec Chérie, on est obligé de le jouer en mode infiltration, c'est-à-dire sans bruit. Sans se faire repérer. Sinon, alors, oui, désolé, je suis concentré. Voilà, oui, il passe là, l'arme à gauche. Ouh, j'avais pas vu, je croyais qu'il était. Je croyais qu'il était sur le côté. Ben pas du tout. Voilà, vous faites surtout pas de bruit. Là, vous regardez vite le code que j'ai pas eu le temps de voir. Je ne sais plus. C'est génial. J'ai pas vraiment eu le temps de voir. C'est pas ça. Bon, tant pis. Bon, on se planque.
Et on attend. C'est pour ça que je suis très concentré. Parce qu'avec Chéri, c'est vraiment pas facile au début de ce chapitre 3. C'est très original de la jouer en mode infiltration, mais c'est aussi très chiant et très stressant. Ce n'est que ce passage-là, hein, mais en plus, ça change tout le temps. Mais alors, tout le temps. Bordel. Je crois que. Allez! Faut crever, j'ai déjà. Et alors, en plus, il me distrait. Comme ça, je suis même plus sûr de ce que c'était. Je crois que c'était ça. Ouais. Ben, j'ai de la chance, hein, parce que avec l'autre connard qui m'a distrait, c'est bizarre, hein, parce que il suffit de retenir trois symboles. Il suffit simplement de retenir trois symboles. Alors, comme je suis en mode solo, évidemment, mon cher ami. Oui, bien sûr, t'as pas coté, t'as raison. Mon cher ami Jay, ne m'aide pas du tout. Enfin, si, il m'aide un petit peu de ce côté, il utilise une caméra, hein, vous voyez. Une petite caméra. Alors là, il faut que je me rappelle ce que c'était, Astur. C'était ça? Ouais. Donc voilà, vous voyez que quand je n'ai pas la tête dans le cul, j'arrive à retenir un code quand même. Hein. Mais c'est le piège, il change continuellement. Donc même quand vous recommencez une partie, ce n'est pas dit que ce sera le même code. Donc c'est pas la peine de prendre une note, des notes en vous disant je sais. Je vais noter le code comme ça je saurai ce que c'est. Donc je vous laisse la cinématique avec le son. Cher père n'était qu'un lâche qui nous avait tous abandonnés, mais non, 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 rien à voir. C'était un taré qui a failli détruire le monde. Les actes de ton père n'ont absolument rien à voir avec toi. Ouais, mais son sang, si. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est là. Non, mais sérieux, tu crois vraiment que la folie ne se transmet pas par le sang? Que je n'ai absolument rien hérité des innombrables défauts de mon père? T'es bien placé pour savoir de quoi je parle. Je dis juste que. L'homme que je suis, les choses que j'ai faites, je crois que je comprends un peu mieux à présent. Quoi? Tu peux en vouloir à ton père autant que tu veux, mais à un moment, il faut assumer la responsabilité de ses propres actes. Bien dit, chérie Bertine. On peut dire ce qu'on veut, mais le doublage en français est quand même excellent. Alors, je vous ai laissé justement les cinématiques parce que ce sont
Dans ce chapitre 3, les plus importantes, où on apprend vraiment beaucoup de choses, à la fois sur la personnalité de Jake et aussi de Sherry. Je dois dire à mes supérieurs que je vais bien. Donc nous sommes en Chine, on a été prisonniers pendant 6 mois, ils ont subi des expériences dans une espèce de... Comment on pourrait appeler ça? On va pas appeler ça un manoir, puisque ce n'est pas vraiment un manoir, mais on va retrouver un petit peu le plaisir de visiter... oui, on pourra presque appeler ça un manoir, finalement. Pourquoi pas? Donc on replonge vraiment ici dans les premiers Resident Evil. Tout comme dans le premier chapitre avec Léon. Alors évidemment, on aura noté également au passage que ce chapitre est extrêmement sexy. La petite chérie Birkin, ils l'ont pas raté. On peut même dire que c'est impressionnant d'oser faire un tel... Ah, bonsoir, ils sont 140 000 à arriver. Alors, on notera donc que les petits Chinois ces bestioles-là sont sensibles au corps à corps. Donc, pas de panique. Elles sont très rapides, mais elles... Merde, j'ai oublié de recharger. Elles sont très vulnérables au corps à corps. Par contre, les Javos, qu'est-ce qu'ils peuvent être chiants à tout le temps se transformer, quoi, toutes les 2 minutes. Alors voilà, il faut trouver des médailles d'identification dans ce chapitre. Continuellement. Ah, il est même pas mort en plus. J'ai tiré 2 fois de pompe. J'ai tiré avec le... Pas avec le pompe, avec le magnum. Vous l'avez vu. Même quand il s'est transformé, ben, il a continué de se transformer. Bon, je vais ici parce que j'ai décidé vraiment de vous faire visiter tout. Pourquoi est-ce que je se plante? J'ai décidé de vous faire visiter donc le premier emblème, enfin le deuxième emblème, parce que si vous avez bien regardé le début de la vidéo, quand il est... Oh, flûte. Ça a joué pour ma précision, vous voyez. Genre de conneries. Vous avez remarqué, donc le premier emblème était avec le laser dans la deuxième pièce avant de taper le deuxième code. Donc ici, je vais prendre vraiment tout mon temps parce que c'est vraiment un plaisir d'être dans ce genre d'environnement. Je dois avouer que j'apprécie vraiment ce chapitre. Je l'ai fait avec The Love and Ange, où j'avais la tête dans le sac, pour rester poli, samedi dernier. Et en plus, on s'était donné une petite, comment dire, un petit défi de le faire donc uniquement à la matraque. Uniquement à la matraque. Et lui à main nue. Et du coup, à force d'être concentré, allez, comment est-ce qu'on peut le rater donc? Attendez, je rêve. J'ai touché la c'est moi qui touchais la fenêtre ou c'est... Enfin, la vitre. C'est lui. Donc, mais je fais que des conneries, c'est pas possible. Ouais, mais si à chaque fois que je casse un truc, il faut que je... Bon, les munitions. Donc, les éléments du décor sont destructibles, évidemment. Alors ici, faites attention parce qu'il y a tout le monde qui vous canarde. On est dans une bibliothèque. Une jolie bibliothèque. Vous avez remarqué au début du chapitre que Jake parlait en anglais. Ouais, c'est hyper roulé-boulé, je rêve.
Il faut faire attention ici parce qu'ils ont tendance à arriver à l'infini. Alors je ne vise exprès, je ne vise pas la tête, les bras ou les membres du corps. Voilà, par contre, vous voyez, j'ai tiré. Regardez, Magnum, il n'est pas mort. C'est incroyable, quoi. C'est inouï. Magnum cheaté à fond. Et je le rate en plus, nom de Dieu. Voilà, ça en fait deux d'un coup. Et vous voyez, ça me casse les couilles. Je ne comprends pas. Donc, médaillon d'identification. Là, on ne peut pas passer. Il me semble qu'il y a un médaillon d'identification quelque part, ici. Caché dans les bouquins. Ah oui, voilà. Donc, on ne reste pas ici plus longtemps. Vous avez vu, j'ai tiré à bout portant dans... au Magnum, cheaté à fond, et ils me font encore le coup de pas crever tout de suite. C'est impressionnant. Donc il y a plein de portes à ouvrir. Pas plein, n'exagérons quand même pas, mais il y a quand même pas mal de portes à ouvrir. Ouais. Donc, il nous faut des médaillons d'identification. Et pour commencer, il nous en faut 5. Et moi, je vous conseille d'en prendre le plus possible. Parce qu'en fait, il en faut 15 ou 16. Je ne sais plus. 15 ou 16, ouais. Un truc du style. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc là, on a fait le petit tour. Je n'en ai que 4. Donc on va aller dégommer quelques moussaillons. Bon, on cassera le vase après, parce que là, ouais, j'ai un peu tendance à foncer, effectivement. Mais bon, comme je vois le résistance à la noix. Et voilà, ça se transforme. Gagigé. J'ai cru qu'il n'était pas mort. Et il crève toujours pas. Eh ben. Des dedans. Alors ces machins-là, ça se détruit avec la matraque. À condition de vous dépêcher. Et c'est trop tard. Vous la ferez. Merde, c'était pas du tout avec ça que je voulais la voir, mais. Il déteste le corps à corps, mais moi je déteste. Allez, mais elle m'emmerde avec cette arme de con. C'est vraiment. Quand vous prenez malheureusement le sniper ou le fusil d'assaut, vous donnez des coups de crosse. Donc vous ne pouvez pas aller à droite. Vous êtes obligé de descendre par ici avec Cherry. Donc ici, on s'amuse un petit peu à casser des vases, un petit peu au hasard. Pour une fois qu'il y a de l'interactivité avec les éléments du décor, on ne va pas gêner. Oh là, joli retourné. Je n'ai pas fait exprès, mais bon. Petit pas d'habilité à prendre. Donc on doit aller par là, mais c'est bloqué, la porte d'entrée est bloquée aussi. Là, il n'y a pas de médaillon. Donc on reprend le Magnum. Ouais, le Magnum, qui c'est qui me tire dessus? Tiens, oui, ils sont apparus d'où? D'où sont-ils apparus? Alors lui, il se transforme. Hein. C'est bien joli, mais normalement, ça se détruit ces machins là avant qu'ils ne se transforment. Et putain, il n'y a jamais moyen ou quoi? C'est quoi cette connerie?
Il n'y a pas moyen. Normalement, ça se détruit, hein. Allez, et en plus, il me complique, il met alors la vie en changeant les... C'est extraordinaire. Donc là, il y a encore un petit médaillon d'identification. Une fois qu'on en a quelques-uns quand même, on peut les foutre. Je disais, je ne sais pas si j'avais fini ma phrase tout à l'heure en disant qu'au début du chapitre, on peut constater que Jake parle couramment soit chinois, soit anglais. Qu'il n'y a aucune femme parmi les Javo. Mentalité chinoise, probablement. Ouais, j'en mets un maximum. Que je vous expliquerai pourquoi plus tard. Hein. Pour l'instant, on va tracer. Donc, évidemment, vous avez bien vu qu'on a changé un petit peu de costard. Ce qui est d'ailleurs amusant, puisque ils ont justement trouvé des vêtements à leur taille. Là, c'est le bas aussi. Allez, un coup de magnum. Mais c'est incroyable! Un coup de magnum, c'est cheaté. Il n'est pas encore mort. Non, il se transforme, hein, bien sûr. Allez, il en faut encore troisième? Mais oui, il en faut trois. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible avec... Je suis sûr, voilà quoi, putain. Trois balles de magnum cheatées à fond. Et je ne suis pas en mode vétéran. Hein. D'ailleurs, comme disent The Love and Ange, ça ne change rien. À part sur peut-être si, sur la résistance ou notre côté vulnérable. Donc ici, attention, il y en a qui reviennent. Il y en a un qui rampe sous les tables, sous les billards. Allez, regardez, j'ai tiré à bout portant, quoi. Franchement, je rêve. Ça me gave, mais alors quelque chose de rare. Et oh, vous avez fini, vous? Vous me tirez dessus. Bon, ça n'arrête jamais. Voilà, il quoi, il y a bout à l'infini ou quoi? Toi, tu te dégages, mais alors... Et Jake, il ne me sert strictement à rien. Je me demande s'il en a tué un. Mais putain, c'est pas vrai, je t'ai... C'est incroyable, ça. Et ils reviennent constamment, donc on va peut-être pas rester là. Ça sert à rien. Et ils n'ont même pas laissé un disque de données, quoi. C'est extraordinaire. C'est... Waouh. C'est fabuleux. C'est pas sur cette table-là, hein, qui est un disque de données, non, je sais pas où c'est, ah oui, c'est ici. J'avais mis combien, 6 ou 7, je sais plus. Je sais plus combien j'en avais mis, tiens. Oh putain, sérieux, quoi, allez hop. Et de 2, de 3, de 4. Oh, t'es pas encore mort, toi? Mais c'est magnifique! Je m'énerve même plus avec ce genre de conneries, tellement... c'est incroyable. Une telle résistance, quoi. Arme cheatée à fond, magnum illimité. Comment j'ai fait? Merci. Ouais, bon, je ne sais pas prendre l'herbe verte, mais bon. Un petit machin, un petit pot d'habilité, deux mille machin, je m'en fous. Et putain, et Jake ne l'a même pas tué, vous vous rendez compte? Il ne l'a même pas tué. Ça fait trois plombs qu'il est en train de... De tirer dans le vide, quoi, tout simplement. Et pourtant, j'ai pas mis le truc, je joue tout seul,
Elia ne m'aide pas. Vets, 5 minutes, je vais devoir m'arrêter ici, les amis, et je vous dis à très bientôt pour la suite.